pas regardé. Même léger, moi, tu vois. Heureusement qu'on a le port d'armes. Et le droit de s'en servir. Et par contre, il faut un peu pour la. Oui, c'est mal. Oui, tu leur as dit pour. Pour les, la place du marché. La place du vieux marché. Là où s'est fait brûler Jeanne d'Arc. Oui, oui, c'est à Rouen, absolument. À Rouen, oui. Parce que tu crois que c'était où, là? Reims? Non. Et donc, il paraît qu'il y a des bons restos, des trucs de fruits de mer. Pour vous, hein, tu vois, j'ai pensé à vous. Quoi, nous? Bah parce que avec mon escalope normande de midi, là, ils l'ont empoisonné, non? Mettez-vous là, les gars. Ce n'est pas encore l'heure de la chasse aux fantômes, mais ça va venir. Oh, les commandos, man. Men. Allez, Greg! Vite! Vite. Oh, lui, il va filmer le flash! C'est la classe? Ah, bah ouais! Rapproche-toi! Ah, attention! Oh, nom de Dieu! Ah, nickel! Ah, il faut doubler ça! Non, c'est bon, pas impeccable! C'est vrai? T'as vu? Spontanéité égale efficacité! Ouais. Tous les blaireaux qui se précipitent sur la photo, comme une gonzesse là qui va. C'est quand même toi le plus gros, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on te voit? Michel, qu'est-ce que tu fais avec ta caméra là? On est en train de filmer l'appareil photo là. Et alors, c'est la classe? J'ai réuni, regarde, j'ai réuni. Je voulais dire que c'est un peu long, hein. Je voulais dire que cette matinée et après-midi, c'est très très bien passé. Ouais. Ah, on n'a vu aucun fantôme. On n'a pas vu de fantôme. Par contre, on a bien bu, on a bien mangé. On a vu des fantômes. Et on a vu des fantômes. Rien vu. Par contre, comment dirais-je, bon, Michel a perdu sa carte bleue. Oui. Mais bon, il s'en fout, visiblement. C'est pas grave. Et il a montré son kiki. C'est pas parce que il a montré son zizi. Parce que du coup, c'est Marc qui paye. Ouais, il a montré son zizi, même qui fumait. Enfin non. Non, pas son zizi, mais... Un soupçon? T'as essayé de montrer ton zizi. Ah, mais je suis arrivé, je suis parvenu. Et... Il a montré un bout de peau. Vous avez peur, vous avez parti. On n'a pas identifié que c'était vraiment son zizi. Et puis, ça fumait sec. Donc voilà. Donc là, maintenant, nous allons... Nous allons passer à nos besoins essentiels, c'est-à-dire nous restaurer. Ouais. Et ensuite, nous allons voir les fantômes. Chasser le fantôme. Donc on compte sur Marc. Ouais. Putain, c'est relou, hein. Qui ouvrira la marche. Il va nous ouvrir la porte du secret. Est-ce que ta torche, elle est où, en fait? Elle est dans son slip. Ah, oh là là là. C'est une étanche, je peux aller sous l'eau. Okay, je préfère un peu le scooter. Ben voilà. Ben voilà, la fine équipe. C'est pas gagné, hein. On commence. La place du marché. Non, moi, je suis d'avis qu'on parte vers l'abbaye de Ventemer. Ouais. On trouve un resto sur le chemin. De toute façon, là-bas, on va se faire chier. Ouais. Ça va être humide, on va rien voir. D'accord. Non, mais t'en sais rien. On va avoir froid. Ouais. Donc, on va revenir rapidement. On ira à la place de Pompé. Ouais. Pour boire un verre et se taper 2-3 putes. Pas mal. Qu'est-ce qu'on pense? Ah, pas mal. Fabrice. Pas mal. Bah, disons que déjà, le prétexte du froid, quand tu vas claquer des dents, c'est sûr. Mais comment. Par contre, pour aller voir les putes, dire que c'est parce qu'il fait froid, c'est un peu limite, hein, les mecs. Ouais. Moi, je le fais chier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a un manque de conviction en plus dans le travail. Moi, j'ai pas le droit. Vous êtes grossier. T'as pas le droit. Bah non, je suis marié. À l'alcool, ah oui. Voilà le problème de ce genre de propos, c'est qu'il faut qu'on les coupe au montage. Eh oui, mon gars, tu as su. On coupe au montage. Ouais. Ouais, voilà. Alors, ouais, mon pote, ça va être bon. Ah, t'es parce que t'as tué monsieur Marie. Quel enculé, j'étais sûr qu'il allait faire ça.